Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Nous bénissons et nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous a fait grâce de voir ce jour encore. Merci à lui de ce que sa bonté et sa faveur se sont renouvelées en ce matin. Nous lui disons vraiment merci pour cette grâce de la vie. Ce n'est pas une évidence. La vie vient de Dieu. Alors que faire sinon rendre grâce? Dire merci à notre Papa Céleste qui permet tout dans nos vies. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tous les frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment. Avec eux, nous glorifions ton saint nom, nous te magnifions, nous te célébrons. Nous te disons le merci de nos cœurs parce que tu as tellement fait de grandes choses dans nos vies. Et ta main continue de reposer sur tout en chacun de nous. Chaque jour de notre vie, Père, nous pouvons déclarer que c'est une merveille. Oui, Père, nous en sommes témoins parce que tes exploits, tes grâces, tes bontés sont là et nous les voyons chaque jour. Même dans les choses les plus insignifiantes, Père, tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Merci pour ta providence. Merci pour ton assistance. Merci pour tout, Père. Nous te bénissons de ce qu'en ce jour nouveau, tu nous parles par la bouche du psalmiste qui déclare que notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous. Sans le Seigneur qui était pour nous. Qu'Israël le redise, que les bien-aimés le redisent aujourd'hui en ce matin, que nos familles le redisent en ce matin, que nos époux, nos épouses le redisent en ce matin, que nos enfants le redisent en ce matin, que nos frères et sœurs le redisent en ce matin. Sans le Seigneur, qui était pour nous? Qu'Israël le redise, que le Sénégal le redise. C'est l'Éternel notre secours. Père, nous n'avons pas autre chose, nous n'avons que toi. Toute notre confiance, notre espoir est en toi. Parce que nous sommes convaincus que le secours ne vient que de toi Père. Nous ne connaissons pas autre chose, nous ne croyons pas en autre chose. Le secours nous vient de toi et de toi seul. Et tu nous l'as montré maintes fois Père, quand nous étions dans des situations inexplicables, qu'on ne pouvait même pas comprendre ce qui se passe. Ta main a reposé sur nous. Tu nous as réellement secourus dans des circonstances où nous pensions que même tu n'étais pas là. Père, tu es le seul qui est digne de confiance. Parce que tu détiens le monopole de la puissance authentique. Nul n'est comparable à toi. Bien-aimé, je veux que tu mettes ton espoir en l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te secourir. Et d'une manière gratuite et sûre, il n'y a que Dieu, l'Éternel, notre Papa. Voilà pourquoi ce matin nous voulons déclarer que le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. C'est la vérité, Papa. Je lève les yeux vers les monts. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Nos familles élèvent les yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours? Je déclare que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait
les cieux et la terre. Oui, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra la protection. Moi, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra la bénédiction. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon travail. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le mariage. Moi, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra l'enfantement. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra la conversion. Je déclare que le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait le ciel et la terre. Le Père céleste qui veille sur ses enfants. La parole déclare qu'il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Il est présent constamment, l'omniscient, l'omnipotent. Il peut tout, il sait tout, et il est capable de tout. Nous n'avons pas d'autre chose, nous n'avons pas d'autre issue. Nous n'avons que Dieu, et il nous suffit en toute chose. Qu'importe la situation que nous pouvons traverser, il est capable d'intervenir, parce qu'il est l'Éternel des armées. Il est Adonai le souverain. Il est Yahvé Jiré le pourvoyeur. Il est Rapha le guérisseur. Il est Dieu. Il reste Dieu. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec nos pères, il continue de le faire avec nous. Alors mets ta confiance en Yahvé. Mets toute ta confiance en Yahvé. Plonge ta famille, consacre ta famille à Dieu, consacre tes études à Dieu, consacre ton business à Dieu, consacre ton mariage à Dieu, consacre ton ministère à Dieu, consacre tes enfants à Dieu. Ce que tu es, ce que tu as, livre-toi à l'Éternel. Il est capable de te protéger, de te bénir, de répandre sa grâce constamment sur toi. Tu ne seras pas déçu, bien-aimé de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Il n'attend que ça. D'où me viendra le secours? Je déclare que le secours me vient de l'Éternel. Lui qui a fait les cieux et la terre. Père, nous te bénissons et nous te consacrons cette journée. Nous demeurons dans cette conviction que le secours nous vient de toi et de toi seul. Et rien ne peut nous ôter cette parole. Elle est ancrée dans nos vies. Nous sommes sûrs et certains que tu es avec nous. Que tu restes à jamais avec nous. Comme le déclare Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Elle est sûre, cette parole, et c'est la vérité. Merci pour ta présence constante et merci pour cette belle journée que nous te consacrons. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.